Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message eh bien, de cette semaine. Nous sommes vendredi 8 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la carte établir des priorités. Avec l'archange Métatron, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Travaillez avec l'archange Métatron. Alors, Métatron avec Sandalphon. Métatron est l'un des deux archanges qui ont déjà foulé cette terre en tant qu'humain. Donc, avec Sandalphon, n'est-ce pas? Métatron a été le prophète et le scribe d'Enoch ou d'Enoch qui a fait son ascension au ciel à la suite d'une vie terrestre exemplaire. Et c'est ainsi qu'il est devenu, eh bien, un archange, n'est-ce pas? Alors, Métatron travaille toujours comme scribe et gardien des archives au ciel. Il aide également, eh bien, les personnes à développer des aptitudes d'organisation et de rangement. Et quand vous faites appel à ce bel archange Métatron, il vous motive à établir des priorités. Donc, Métatron a été un être humain, il a été exemplaire. Voilà, moi je ne deviendrai pas un archange parce que je n'ai pas été exemplaire dans toutes les réincarnations. Donc voilà, j'ai exploré. Comme on dit, j'ai expérimenté, mais j'espère que j'aurai une meilleure vie encore que celle-ci dans la prochaine. Alors, message de ce bel archange Métatron, quelle est votre vocation? Voilà, quelle est votre vocation? Qu'est-ce qui met votre cœur en fête? Pour certains d'entre vous, posez-vous ces deux questions. Alors, lorsque vous vous concentrez sur ces sphères, eh bien, votre joyeuse énergie augmente, ce qui profite à tous. Et on vous invite à prendre la responsabilité de votre horaire et passer plus de temps sur des projets, des activités, eh bien, qui vous tiennent, tout simplement à cœur. Faites des choix. Faites des choix qui vont honorer vos priorités et qui vont soutenir votre mission de vie. Donc, voilà, vous avez des choix à faire. Quelles sont vos priorités? Dans la vie, posez-vous ces questions et faites en sorte eh bien, d'y remédier et puis surtout de faire appel à ce bel archange Métatron qui vous aidera, qui vous aiguillera, qui vous donnera eh bien, soit par message, par des mots que vous pourriez entendre dans une chanson, des mots que vous pourriez lire ou tout simplement en rêve. Eh bien, des solutions. Voilà le message de ce bel archange Métatron. Je termine avec mes petites prières, avec les anges. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé stress. Stress. De quoi avez-vous peur pour certains d'entre vous? De quoi avez-vous peur? Est-ce que vous vous accordez de la valeur, ou est-ce que vous la voyez uniquement dans le regard des autres?
Pour certains d'entre vous, pouvez-vous vous offrir une pause, une douceur, une fois par jour? Si vous n'avez pas le temps de la journée, mais vous pouvez aussi le faire le matin ou le soir, est-ce que votre stress est-il ponctuel ou alors est-ce que votre stress est chronique? Quel domaine de votre vie vous génère le plus de stress? Et si vous aviez le pouvoir de tout changer dans ce domaine, que feriez-vous? Toutes des questions que vous devez répondre. Par contre, eh bien, la petite prière est « mes anges, merci d'absorber le stress qui me dévore et contamine mon être. Permettez-moi de réagir aux événements avec, eh bien, plus de sérénité et de m'aider à trouver les moyens de vivre en accord, tout simplement avec ce que je suis. » Et aujourd'hui, on va répéter 3 fois, « Je suis la détente, je mérite la détente. Je suis la détente, je mérite la détente. Je suis la détente, je mérite la détente. » Eh bien voilà, quel beau message encore, quelle belle prière pour terminer cette première semaine du mois de décembre. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour les messages que vous m'envoyez en dessous de cette vidéo ou par message privé, par mail. Donc un tout grand merci à vous. Je vous remercie pour tout, pour votre gentillesse, votre bienveillance. Merci d'exister parce que sans vous, ma chaîne ne serait rien. Donc je vous dis un grand, grand, grand merci. Je vous souhaite une très, très belle journée, un excellent week-end à toutes et tous dans la joie, la magie de Noël. Si maintenant vous allez cette semaine ou ce week-end faire votre sapin, eh bien, ce n'est que de la joie, de l'amour, de la sérénité, de la plénitude. On se retrouve dans une prochaine capsule et d'ici là, je vous embrasse, portez-vous bien, à très vite.